Moi, je m'appelle Dorian, j'ai 26 ans, j'ai fait la formation TSA 2022. Et voilà, après, j'ai enchaîné avec un BPRA et j'ai un projet de m'installer en aquaponie dans le nord des Deux-Sèvres. Alors, comment j'ai découvert l'aquaponie? J'ai toujours voulu m'installer déjà en agriculture, même si j'ai pas commencé par ça. Et après de longues recherches, d'abord, je voulais m'installer en maraîchage. J'aime beaucoup la plante, les plantes. Et de fil en aiguille, force de m'intéresser à l'hydroponie, l'aquaponie, c'est venu naturellement. Aquaponieur, en cherchant une formation en aquaponie, enfin en tombant comme par hasard sur une formation en aquaponie qui était dispensée par Aquaponia Ecologia. Et quand j'ai vu tout ce que la formation pouvait proposer, je me suis dit, paf, tout foncé là, c'est le moment. Parce que en France, pour moi, il n'y a pas d'autres formations qui peuvent égaler ce qui est proposé aujourd'hui ici à Aquaponia. Que ce soit en formation longue ou en formation courte. Bah, mon projet professionnel, c'est une ferme aquaponique à taille humaine dans le nord des Deux-Sèvres, avec une partie transformation du poisson en faisant du salmonidé, de préférence de l'ongle de fontaine. Et pour le poisson, pour la plante, plus me diriger vers la restauration. Aujourd'hui, j'en suis en phase de construction de projet. Après, j'ai fait un BPRA pour complémenter encore plus mes connaissances pour ce projet. Là, j'y vais d'ici quelques années, quoi. Yeah. Non mais intense, très formateur et une ouverture de chakra. Une aventure humaine. Une aventure humaine incroyable. Bah, l'aquaponie, c'est l'avenir de la production locale et circulaire.